Vous avez devant vous 10 produits de marque et 10 produits de sous-marque. Vous l'aurez deviné, le but de la vidéo va être de deviner quel est le produit de marque. Mais la particularité, c'est qu'on aura les yeux bandés. Et on commence tout de suite par... les Pringles contre leur sous-marque, les chips sales. Là, c'est les Pringles. Rien qu'au toucher, gros, je peux te dire c'est les Pringles. T'es un menteur. Au toucher, je peux te dire. À l'odeur, c'est pas ça du tout. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1... Oh, le bruit... C'est les Pringles. C'est les Pringles. Direct. Il y a aucun doute. Le bruit croquant, c'est doux, là. T'as de l'ASMR. Elles sont où les chips salées de con? C'est là devant nous là? Mec, on dirait des golems. Non, mais okay. Maintenant c'est dur, gros, je vois rien. Pitié, sans le truc, ça se sent. Ok, ça va. Salut, mec! Oh, l'odeur! Oh, l'odeur qui trahit! C'est trop perturbant, c'est pas voir, gros, ça fait trop du bien. Alors que moi, ça fait plaisir, ouais. Ah, con. Il y a un arrière-goût, fumé un peu. Dans 3 secondes, t'es prêt, on donne le verdict. On dit celui qu'on pense être les Pringles. Okay. Soit 1, soit 2, tu vois. Là, je vois. On pense. Je pense que les Pringles, c'est les 1. Je sais pas, bon. C'est quoi, pour le jeu, je vais dire les 2. C'est quoi? On peut ouvrir les yeux, on peut enlever? C'est plus dur que ce que je pensais. Vas-y, dis-nous, c'est quoi les Pringles? Eh bien, c'était les 1. Oh, let's go! C'est lesquels là? En vrai, là, c'est les chips salés. Non, mais là, ça se voit, c'est les chips salés. Mais c'était bonne! En vrai, on a été hyper mauvais. Elles sont hyper bonnes. On a des a priori de zinzin sur les sous-marques. En vrai. Donc là, t'as un point. Bah ouais, mon gars, je vais gagner la vidéo parce que les amis, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que t'as une bonne réponse, tu gagnes un point. Et le dernier aura un gage, t'auras. Ça va sur moi. J'espère que t'es content d'être. Non, regarde, y'a rien qui est fait. Y'a rien qui est fait. Amène le deuxième. Amène le deuxième produit. Allez sur sa chaîne YouTube. Amène le deuxième produit. Deuxième plat. Le Nutella vs le pasta cao. Le pasta quoi? Le pasta cao. Là, on peut prendre la cuillère, là, c'est bon. Voilà, c'est... Okay. On a des t-shirts blancs, fais pas le con. Ah ouais, de fou. Fais pas. Et je sens, j'étais dans ta tête. Je te donne ta cuillère, tu donnes ma cuillère. Vas-y, c'est le même truc qu'on a là. Oh, mais tu m'as dit oui. Mais tu m'entends, je parle. Tu m'as dit oui. T'es prêt? 3, 2, 1. Oh, waouh. Bon. Elle ajoute elle ou pas? Ouais. Et moi? Ah. 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 Mmh. Oh, t'es trop mignon. Nutella, frérot. T'es dégueulasse. La vie de ma mère, t'es dégueulasse. C'est pas ça. Me dis pas, c'est pas une dinguerie de manger le Nutella à la cuillère. Oh non, 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 non. Oh, c'est pas bon. Dans les commentaires, tous ceux qui mangent le Nutella à la cuillère, vous êtes bannis. Mais tu connais rien, mais t'as un palette de beurre, man. Mec, j'ai du mal à avaler. En plus, c'est même pas de Nutella à côté de moi, là. À bois, wesh. Attends, frérot. Premier degré, je sais pas ce que c'est ton palais d'animal là. Non, 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 déjà tu reprends la même vanne que moi, j'ai tenté. Exactement. Mec, hé, t'as un palais de klebs. Oh, il débite là. Tu sais que je te kiffe. Ouais, moi aussi je te kiffe, frérot. Déjà, moi j'ai mon petit verdict. Fais attention, t'en mets pas de partout. Oh, mais chien, va. Mais quoi, on a dit, on a dit. On a dit. Vas-y, 1, 2, 3. Wesh. Oh là, par contre, frérot. Vous avez raison, le premier c'est caca, le caca là. C'est le Nutella. Le pasta cacao. Mais si, mais c'est du Nutella. Tu sais que je pensais être hyper fort au jeu. Non. Mais gros, c'est dur. Tu es nul. Frérot, c'est hyper honnête. Oui. Bianca, est-ce que tu peux me redonner le premier? C'est du Nutella. Le deuxième, c'est du Nutella. Ok, c'est à moi là, le deuxième. Attends, je te sers le chibre. Alors, c'était le deuxième. Un point chacun, let's go. J'ai du Nutella sur la bouche. Tu te l'enlèves, moi. Ouais. On est potes, hein. Les gars, on est potes, c'est tout. Vas-y, du coup. Non, bro, ça se sentait premier degré que... Alors, je sais pas pourquoi t'as dit Nutella sur la première. Mais je trouve pas que c'est si flagrant que ça. Et tu sais, c'est pas genre péjoratif pour une sous-marque. Je trouve que c'est pas si éloigné, c'est pas mauvais. Vous verrez, les gars, j'ai déjà fait une vidéo comme ça il y a un an, ça date, hein. C'était ghetto à l'iPhone et tout. Mais on a capté que vraiment, les sous-marques, ça allait, hein. Et je suis curieux de savoir le prix du Nutella et le prix de la pasta cacao. Et les prix vont s'afficher maintenant. Et en vrai, je trouve que franchement, pour le prix, c'est bon, quoi. J'arrive à comprendre nos darons qui nous achetaient du pasta cacao Nutella. En moi, gros, le yop aussi, tout ça, alors. Il est pas d'yop. Ouais, il me filait du truc chelou. Avec... Bizarrement, parce que j'ai l'impression qu'on va goûter du yop avec du truc chelou. La transition. Yop à la fraise vs yaourt à boire. Écoute-moi bien, mon petit pote. Okay. Écoute-moi bien. Toute ma vie, j'ai bu du yop. Vous n'avez pas cette chance. À la à la seconde où ça va toucher mes lèvres, je vais deviner. Ok. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein. Il est confiant. 3, 2, 1. Déjà, c'est giga doux. C'est archi bon. Écoute-moi bien, j'ai bu du yop. Toute ma vie. J'allais au collège, j'avais du yop. J'allais à l'école primaire, j'avais du yop. J'allais au lycée, j'avais du yop. Hier, j'ai bu quoi? J'ai bu du yop. Le yop, c'est lui. C'est une dinguerie de faire ça. Regarde pas le yop, regarde. T'as regardé, toi? Non, c'est pas ça. C'est une dinguerie de faire ça. T'aurais pu te retenir sur la table. Je suis un gars, ça part, tu vois. Ah, Bianca, désolé. Hein. J'ai bu du yop toute ma vie, je connais le goût par cœur. Et je peux te dire que c'est le 2. Maintenant, on va voter. À 3, on va dire là, on va dire l'autre. Dans 3 secondes, on donne le verdict. Gros, je t'ai donné un indice, mon gars. Tu dis pour toi lequel c'est le yop. Regrette pas. Ok. Vas-y. 3, 2, 1, 2. Pour moi, c'est le 200%. C'est le 1, 100%. On peut ouvrir les yeux. C'était le 1. Quoi? T'es incité à dire le 2 en disant que c'était le meilleur et tout. C'est le 1, le yop. Sans aucune hésitation, ça loser. Attends, mais premier degré, je suis con ou quoi? Oh, t'es un golemon. En fait, les gars, c'est un gros bâtard. Et que il parlait. C'est que parler, j'étais perdu dans mes chiffres. Des choses à dire, ah, hein. Vraiment, frère. Il débite, hein. Et t'as fait dans ton cerveau, je suis rentré dans ton cerveau, j'ai fait. Mais je sais.
Ça me dégoûte, oh là là, mais c'est pas possible. Prochain produit. La famille, avant de passer au prochain produit, je voulais vous remercier pour les 400 000 abonnés. 400 000 frère, ça veut dire. En vrai, tu mérites. En vrai, tu mérites, t'es bon. Non, t'es un bon. En vrai, t'es un bon, tu mérites. Non, vraiment, t'es un bon, tu mérites. Ça me touche. Ça veut dire que là, si vous êtes tous. Abonnez-vous encore. Voilà. En route pour les 500 000. Ça fait un moment, je vous ai pas dit ça. On va retourner internet, les frères. On est là pour choquer tout le monde. Hé, les Squeezie là. Ça va être mon petit maintenant. Je le dis Squeezie, ça va être mon petit. Ça va si vite. Je suis en train d'apprendre plein de trucs. Je fais des rencontres incroyables. Comme mon petit Maxime à côté. Franchement, les gars, abonnez-vous, les frères. Pourquoi petit Maxime? Parce que t'es mon chéri. Hop. Ok, bon, là, il y a 2-2. Je gagne cette manche. Coca vs Cola. Oh, j'aime bien la frère. Coca vs Cola. Là, on rentre sur, là, on rentre sur les vrais bails. Par contre, fais gaffe. T'as déjà renversé partout. T'as ton s'il te plaît. Lâche-moi vert. Mais lâche-moi vert. T'es prêt, on goûte le premier? On goûte le premier. Je répète comment? 3, 2, 1. Il est là, il vient t'attaquer la gorge. Mec, il te met des coups de couteau, frère. C'est une dinguerie. Mais c'est quoi ce coca de con, là? On goûte le deuxième, hein? Mais attends. 3, 2, 1. Lui, il pue de ouf. T'es d'accord avec moi ou pas? Pitié, sois d'accord avec moi. Le deuxième, à l'odeur, il pue. C'est pas du coca. Ok, j'ai ouais, le truc. Ouais, j'ai le truc aussi. J'ai le truc. Ouais, je suis d'accord. À l'odeur, c'est vrai que c'est bizarre. T'es prêt, tu dis quoi, toi? Bah, à trois, on dit. 2, 1, 2. Oh, c'est parfait. Mec, pour moi, c'est le deuxième, il a un goût sucré. Okay. Parfait. Tu peux nous dire? C'était le 1. Loser. Mais en fait, j'ai capté que c'est le coca. Mais après, je me suis dit. Mais pourquoi t'as changé de. Mais parce qu'il est archi sucré, il est trop bon au goût. Mais oui, j'ai vu, mais c'est pas le goût du coca. Et en plus, lui, il est. Wow. Fais gaffe, garde-le pour après. Hop, c'est bon, j'ai. C'est bon? J'ai du Nutella ici. Ah, ça c'est dégueu. Non, en vrai, les bulles, oui, c'est tellement gazeux. Mais tu sais que ça m'a niqué la gorge. C'est le coca. Et là, il est arrivé, il m'a. C'est pour ça que je bois jamais de coca, c'est trop. Genre, le coca, il est arrivé, il a fait comme moi, c'est tout dans ma gorge. Ouais, hey, moi, c'est du coca, bulle. T'as trois poils au menton, calme-toi, ça le fout. T'es trois poils là. Trois petits poils. Il devient adulte là, il devient adulte, il est mignon. Tu sais que j'ai adoré ce que tu fais. J'ai pas eu cette affection paternelle, moi, de mon côté, et ça m'a fait un peu côté. Il est parti acheter du yop. Le yop. C'est réel. Oh, let's go. En plus, j'adore ça. Mais wesh. Les trésors, ça gâche, ça tue de ouf. Vrai bail. Saoulé. C'est devant toi, tends les bras. Ah oui, oh merde. Tends les bras. Vous avez quitté la balle, les gars? Il m'a forcé à la faire, je vous jure, il m'a forcé à la faire. Oui, vraiment, j'ai bien. À la base, j'avais pas envie. Ok, le premier bol, bah, y'a. Ok, allez, le premier bol, c'est. Tu fais quoi avec ma main, là? Y'a que deux bols. Ah, ok, c'est à partager. Mais tu les mets loin, tu les mets où? Mais sors, t'es un bâtard. Oh, t'es un chien. Oh, mais tu sais que dans ma tête, je t'en mode. Wesh, c'est où les trucs et tout? Ça se sent, ils sont tous légers, y'a rien, y'a pas de garniture. Bon, mec, j'ai bon, putain, mal. T'as dit quoi? C'est de la manipulation, là. J'ai deuxième. Ok. Ah, c'est exactement le même poids. Donc j'ai vraiment dit de la merde. C'est dur. Ah, c'est dur. Oh, c'est dur. On peut faire le verdict. Ok. Les gars, j'ai vraiment trouvé instant. Ah, vas-y, bon, vas-y, on en reparle. Les gars, Sora ne. On en reparle. Vas-y, 3, 2, 1, 2. T'es un golemon. Mais t'es un bouffon. C'est quoi? Deux. Mais oui, mais non, mais ça se sent. Mec, dommage, t'étais en train de partir là. Les points, ça fait juste ici. Bon, frérot, 3-3, je t'ai dit, c'est serré, hein. C'est serré, mais gros, ça se sentait. Par contre, visuellement, eux, ils ont l'air dégueulasses. Non, t'abuses. Regarde la différence entre les trésors qui sont minuscules. What? Mais par contre, y'a vraiment une diff de goût. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de chocolat là-dedans, non? Mais oui, montre à la cam. Pas tant que ça, hein. En vrai, pas dire que c'était si évident que ça. C'est pas si évident. Mais de toute façon, de base, les trésors, c'est dégueulasse, donc bon. C'est une dinguerie de dire ça. J'en ai offensé. Pardon, ne me jetez pas la pierre. Non, moi je suis team Frosties. Hein. Oh là 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 là. Un palais de berger allemand. Attends, explique-moi pourquoi tu n'aimes pas les Frosties. C'est vraiment les céréales avec le moins de goût. Mais mec, c'est trop doux. Dites-moi en commentaire vos céréales préférées. Moi je suis team Frosties. Y'a pas de trésor là. Regarde, y a les contrefaçons, c'est mieux carrément, frère. Prochain produit. Oh les crémas. Oh mec, les bonbons de mon enfance, créma. Oh, je connais pas. Tu connais pas? T'as jamais mangé créma? Ah, oh, mais si, oui, oui, je connais le truc. Est-ce qu'il y a un autre fruit que la fraise qui peut s'asseoir à la table des meilleurs fruits? La mangue, la pastèque, le melon. Oh là là. Mec, la fraise, c'est surcoté de zinzin. C'est juste beau en photo. C'est surcoté. C'est juste beau en photo. C'est quoi? Mange ton bonbon, mange ton bonbon. On mange, mais c'est juste surcoté. Mange ton bonbon. Ok. Je sais pas si ça peut passer en vidéo ce que je veux dire, mais je te le dis, c'est un goût de sexe. Comment ça, un goût de sexe? Moi, j'ai jamais fait le sexe. Je sais pas ce que c'est, moi, les amis. Tu dis que c'est un goût de tèche? Hein? Non. C'est quoi un goût de sexe pour toi, sale malade? Par exemple, quand j'étais petit, une fois, je suis rentré dans la chambre de mes parents. Et genre, je suis rentré et en mode, ils s'amusaient, genre. Et ça a le même goût. T'es un détraqué. C'est pas normal, la team? Moi, je les ai rejoints carrément. Vas-y, let's go, mon ref. T'as pris les deux, gros bâtard. Non, pas du tout. On est précaires, frérot. Je vais aller dans ta bouche. Je vais chercher dans ta gorge, là. Tête de la merde, on est précaires. Bianca. On prend le bonbon dans l'assiette. Vas-y, 1, 2, 3.
Oh mon gars. Oh y'a pas de débat. Là carrément le fruit il est rentré dans ma gorge frère. Oh je pleure par contre. Si c'est la sous-marque. Alors mec par contre, déjà on est corda. Si ça c'est la sous-marque, elle foudroie l'autre. Elle fume l'autre. On a même pas besoin de faire un décompte, on dit que c'est la 2. La 2. On peut savoir? C'est la 1. La créma elles sont foudroyées frère. Terminé. On voit le packaging. Ouais, j'avoue. Mais moi, j'ai goûté et je trouve que ça avait plus de goût. Y'a pas de réac, je vous jure que ça avait vraiment genre. Oh, tu regardes ce packaging de Golemon là. Regarde ce packaging alors que là, c'est beau. Franc citron, viens, on goûte citron. C'est créma. Créma, ouais. On connaît. Ils sont plus tendres. Hein. Mais ouais, ils sont plus tendres. Ils sont plus tendres. Ça te casse la dent. Hein. C'est une brique. C'est une dinguerie. Ah mais oui. Bon ben les gars, je suis désolé hein, créma, mais... Lui c'est quoi le Nutri-Score? Il y a Nutri-Score ou pas? Non, caché. Nutri-Score D. Ah lui, non mais je te dis, il est là, il te flingue la santé premier degré, mais il y a le goût du citron. Oh le goût cassis, je vais goûter le goût cassis. Tu le ramènes chez toi? T'inquiète. Là, c'est sur le dernier que tout va se jouer. Ah mais il y a 3-3 là. On est encore en égalité. C'est le dernier produit qui décide de tout. Du coup, mais ça veut dire qu'on est super gaze. Je veux pas faire le gage les frères. Il y a plus de entertainment. Il y a plus. Pims vs génoise. C'est des putains de Pims de Golemon. Attends. C'est des Pims, mais pourquoi? Attends, Pims, mais c'est quel goût? C'est quel goût? Oh putain, mais pitié! Bon Dieu, par la barbe de Poséidon. Par la barbe d'Odin. Mon Dieu. C'est le pire goût des Pims. Mais qu'est-ce que tu me dis? C'est le pire goût des Pims. Les Pims c'est dégueulasse de base frère. Parle mieux des Pims toi par contre. Pims à la fraise, parle mieux des Pims toi. Mais c'est fou. J'avais vu autant de races de chiens réunies dans une même personne. C'est dégueulasse, c'est tout. Gros, on est d'accord que tous les deux, les Pims à l'orange, on aime pas. Ah, Pims à l'orange, c'est horrible. C'est horrible. Pims à l'orange, c'est horrible. Y'a aucun débat. Ok, depuis le début de la vidéo, vous attendez ce dernier produit, les gars. Le gage. Le gage, ça va être de faire une story. On va devoir faire des éloges sur les Pims. Ah ouais, les gars. J'aime trop les Pims à l'orange, mais j'ai un petit Pims à l'orange. À l'orange. Je peux pas dire Pims à la fraise. Non, Pims à l'orange. Mais le truc qui va être trop drôle, c'est que tu vas dire, je crois que j'ai un petit souci. Tu vas te retourner et il y aura 15 paquets de Pims sur ton lit. Je vais faire quoi de 15 paquets de Pims? Tu vas les brailler, tu les donnes à ta famille, je sais pas, mec. Pas de gaspillage ici, les gars, pas de gaspillage. On serre la main. Je ne veux pas perdre ce début. Tu vas perdre de zinzin. Mais mec, on va se faire insulter en DM. Tu vas perdre de zinzin, mon pote. Ok. 3, 2, 1. Oh, c'est dégueulasse, ça. C'est une dinguerie d'avoir autant de choix de gâteaux et de choisir ça. La vie elle est déjà triste, pourquoi se faire du mal comme ça? C'est pas bon. 3, 2, 1. Tu nous as troll, les deux sont pareils. Il y a encore plus de goût d'orange. C'est comme les gens là qui aiment, tu sais, le chocolat avec l'orange là. Les orangettes, ça c'est grave ça. Tu sais que là ça se joue sur la vidéo. Ça se joue là-dessus là. Il gagne la vidéo. Moi je pense que j'ai mon choix. Moi c'est bon, j'ai mon truc. Moi aussi. 3, 2, 1. 1. C'était le 1. On est trop chaud! J'en étais sûr, on est hyper chaud. On est hyper chaud. Reconnaître les trucs gays, c'est dégueulasse. Par contre, c'est vraiment. Et le 2, encore pire. Le 2, il est pire, il y a des morceaux et tout. En fait, c'est parce que justement, le 2, on sentait beaucoup plus goût de l'orange que je me suis dit que le 1 était le bon. Parce que je trouve qu'à chaque fois, les sous-marques, ils abusent sur le goût. Ouais. Ils mettent le goût, mais tu sais, ils prennent la jauge et. Le goût de la. Ah non, je pense. Je crois qu'ils font pas ça. Je pense que là, on a 4-4. Il n'y a pas de perdant. On va devoir faire un Shifumi. Oh, c'est horrible. C'est horrible, gars. Je déteste. En un point. En un point. Il n'y a pas de. Je vais utiliser toutes mes techniques. Parle de montagne. Parle même pas. Parle pas. J'écoute pas. T'es prêt? Ouais. Shifumi. Oh la tension. Tu sais qu'il y a une tension IRL parce que je veux pas acheter 15 paquets. J'ai une érection. Bizarre. Shifumi. Ouais, c'est une dinguerie. Casse la tête. Shifumi. Ah, mais tu saoules! Mais tu saoules! Arrête d'être dans mon cerveau! Shifumi. Let's go! Les gars, j'ai découvert une nouvelle addiction, mais les Pims, c'est excellent. Il y avait pas orange, mais c'est excellent. Dites-moi juste si j'ai abusé du bail ou pas.